Shalom, 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 shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il est 4 heures du matin, nous sommes préparés 7 jours de marathon de prière et de jeûne. La Bible déclare, Jésus a dit, il y a certains démons qui ne peuvent sortir que par la prière et par le jeûne. Le Seigneur a dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il fallait toujours prier et ne pas se relâcher. Puisque nous montons à la montagne, bien-aimé du Seigneur, pendant ces 7 jours, nous descendrons avec un miracle. 7 jours de jeûne et prière d'alliance avec la richesse. J'ai la ferme assurance que nous allons prier. Nous allons bombarder la prière. Nous serons là tous les 4 heures à 18 heures. 4 heures, 18 heures, nous allons ouvrir ensemble. Après 18 heures, nous pouvons manger quelque chose, mais toujours de léger. On peut tout manger, mais limité. Donc nous allons prier pendant 7 jours, nous allons jeûner. Alors nous serons là tous les 4 heures, 5 heures, 18 heures, 19 heures. Alors en tout cas, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Commencez à partager. Ça fait longtemps que nous n'avons plus fait ce genre de prière parce que vraiment, on a eu beaucoup de temps à combattre. Mais par la grâce de Dieu, nous revenons. Après ces 7 jours de prière, n'oubliez pas que nous préparons le 21 jour de jeûne et prière à partir du 30 août jusqu'au 20 septembre 2024 pour la grande veillée. Alors rendez-vous, nous allons terminer, ça sera samedi 27, bien-aimés, dans le Seigneur. Samedi 28, pardon, nous allons terminer ce programme de jeûne et prière. Et ça sera à Novotel, les Noisy-le-Grand, là où nous faisons nos programmes d'habitude. Ça sera un dimanche très spécial. Comme nous avons dit, ça sera un dimanche bien-aimé dans le Seigneur, un dimanche d'alliance, un dimanche où nous allons bien-aimé amener nos dîmes. C'est aussi un dimanche où nous allons aussi bien-aimé soutenir l'Assemblée à travers nos offrandes spéciales. Alors, dimanche, nous avons donné des enveloppes. Il y a l'enveloppe pour la dîme, il y a l'enveloppe aussi pour le soutien de la salle. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous serons en noir et blanc, en corbeau, parce que c'est un mariage. Moi, je crois fortement au symbolisme, je crois fortement au rituel, je crois fortement que Dieu est derrière le symbolisme, est derrière, bien-aimé le Seigneur, le rituel. Je le crois fortement. Alors c'est un symbolisme très simple. Nous venons seulement habillés en noir et blanc. N'oublions pas que nous serons en présentiel le mercredi. Donc nous serons prières. Nous allons prier en présentiel de 18h à 19h, 20h. Parce que ce sera l'école du prophète. Mais ce mercredi, ça sera beaucoup plus la prière. En tout cas, sur le thème que nous abordons les dimanches sur la libéralité, la dîme et l'offrande. En tout cas, avant que je puisse démarrer la prière avec vous, je voudrais vous encourager à partager. En tout cas, si tu as sommeil, lave les yeux, nettoie les yeux, ne sois pas assis, sois debout. Nous allons bombarder, car la Bible déclare la prière du juste a une grande efficacité. Alors, décollons ensemble et partagez, likez, commentez aussi. C'est vraiment important afin de pouvoir propulser la vidéo. Alors nous allons d'abord louer Dieu, dire à Dieu un grand merci. Alléluia, pour nous avoir réveillés ce matin encore avec grâce, compassion et miséricorde. Comme j'aime dire, Seigneur, c'est que si nous sommes réveillés, ce n'est pas parce que nous avons été, oui, nous sommes allés dormir en bonne santé. Il y a beaucoup qui sont allés dormir en bonne santé plus que nous et ne sont pas réveillés. Nous devons dire à Dieu merci. Lève la voix, bénissons le Seigneur. Adonai, merci Dieu.
Merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Merci, mon roi. Car la Bible déclare, à chaque jour, me suffit ta peine. Seigneur de gloire, tu renouvelles ta bonté chaque matin. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Tu es Dieu. Tu es grand. Tu es puissant. Tu es la source de vie, l'auteur de la création, Seigneur. Je te bénis ce matin pour le don de vie que tu m'as donné. Je te bénis, Seigneur de gloire, pour le don de vie que tu as donné à mes enfants. Je te bénis, Seigneur de gloire, pour la grâce, mon roi, que tu as répandue. Car je suis convaincu, Papa, tu m'as béni, tu as béni ma maison toute la nuit. Car il est écrit, Seigneur de gloire, tu donnes autant à tes enfants pendant leur sommeil. Lève ta voix, bénis le Seigneur, bénis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu créateur, le Dieu véritable. Bénis ce Dieu capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia, réveille-toi, réveille-toi, réveille un ami. Partage la vidéo, partage, pardon, la prière, partage le lien de la radio, afin qu'un frère, un cousin puisse être touché, affecté par la puissance de la prière. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les... Oui, lève ta voix, dit Seigneur, même dans le tombeau, tu es roi. Dans toutes les circonstances, tu restes Dieu. On t'a mis dans le tombeau, 3 jours après, tu es sorti du tombeau. Adonai, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous as fait, le don de la vie, le don de ton Fils à la croix. Nous bénissons le nom de Jésus, notre bouclier, notre forteresse. Nous bénissons celui qui est assis sur le trône, au nom de Jésus. Nous bénissons celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Nous bénissons celui qui dit un mot et la chose arrive. Nous bénissons celui qui ne fait jamais match nul, celui qui est toujours vainqueur. Nous bénissons Adonai, le véritable Dieu. Nous bénissons la source de toutes les choses. Nous bénissons l'absolu. Nous bénissons l'alpha et l'oméga. Nous bénissons, alléluia, El Elyon, le Dieu très haut. Nous bénissons les commencements et la fin. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Réveille-toi, il est temps de prier, de préparer notre journée, de dire à Dieu, Seigneur, prends en otage le début et la fin de cette journée. J'aime toujours qu'on donne un titre à notre prière. Ce matin, nous allons prier notre Dieu dans les livres de Psaume 86 au verset 17. Opère un signe en ma faveur et que mes ennemis le voient. Nous voulons dire à Dieu aujourd'hui, Seigneur de gloire, que ce soit un jour, une journée de signes pour moi, Papa. Seigneur de gloire, fais un signe, Papa. Opère un miracle. Seigneur de gloire, la journée d'aujourd'hui, je veux être un signe, Papa. Fais un signe à ma faveur, afin que les ennemis voient. Nous voulons dire, Seigneur, c'est la journée de signes. Alléluia. Lève ta voix et dis à Dieu, Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Nous voulons dire ce matin, voici les jours de signes et de miracles. Voici le jour que l'Éternel a fait. Sois dans la joie. Lève ta voix, commence à dire à Dieu, Seigneur de gloire,
opère un signe en ma faveur. Opère un signe aujourd'hui en faveur de mes enfants. Opère un signe aujourd'hui en faveur de ma femme. Opère un signe, papa, en faveur de moi. Je vais être un signe, papa, pour que les ennemis, les jaloux, papa, les amis ennemis voient notre Dieu. Et qu'il soit troublé, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Je veux que tu fasses un signe à ma faveur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Un signe, papa. Je vais, papa, être un signe de ta gloire, un signe de ta grandeur, un signe de ta puissance, un signe de ta force, papa, au nom de Jésus. Élève ta voix, déclare, alléluia. L'Éternel a dit, il fait de ses serviteurs de flammes de feu, alléluia, des anges de vent, de ses serviteurs de flammes de feu. Lève ta voix du Seigneur de gloire, fais de moi un signe, papa, au nom de Jésus, et fais un signe en ma faveur. C'est la journée de signe, papa, la journée de référence, la journée de repère, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. David a dit, opère un signe pour moi, opère un signe pour moi, alléluia, afin que mes ennemis voient. Ce matin, nous disons, papa, opère un signe. Fais un signe pour mes enfants. Seigneur de gloire, trop c'est trop. Ça a trop duré, Seigneur de gloire. Fais un signe en ma faveur, au nom de Jésus. Cette maladie a trop duré. Fais un signe aujourd'hui, papa. Un signe, papa, de la guérison. Un signe de ta présence, papa, au nom de Jésus. Lève ta voix, dis à Dieu, oh Dieu, fais un signe, papa. Opère un signe pour moi. Opère un signe pour mes enfants, papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. La journée de signe, le Seigneur a dit, voici, alléluia, je suis avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Nous disons à Dieu, puisque Seigneur, tu es avec nous. Seigneur, opère un signe, papa, opère un signe dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, le Seigneur, après avoir créé le ciel et la terre, le quatrième jour, il a créé les étoiles, le soleil et la lune. Et il a dit qu'il soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Nous allons prier. Un signe est un repère. Un signe est une référence. Lève-toi, dis Seigneur de gloire, opère un signe pour moi. Dieu a fait que le soleil soit un signe pour le ciel. La lune, un signe, les étoiles, soient des signes de marqueur dans le ciel. Nous voulons que ce soir, ce matin, alléluia, nous voulons ce matin dire à Dieu, papa, lève ta voix, dis Seigneur de gloire, opère un signe. Pour le soleil, Seigneur de gloire. Alléluia. Pour le ciel, c'était le soleil, la lune et les étoiles. Seigneur de gloire, pour moi, Seigneur, fais un signe, papa. Tu as dit que le soleil, que la lune, que les étoiles soient des signes dans le ciel, Seigneur de gloire. Opère un signe, papa, au boulot, là où je vais, papa. Opère un signe au milieu de mes collègues, Seigneur de gloire, pour que je sois distingué. Lève ta voix, commence à prier, Seigneur de gloire. Alléluia. Opère un signe. Opère un signe, papa. Gloire à toi. Oui, Saint de gloire. Je vais être un bénéficiaire d'un miracle, d'un signe, papa, pour marquer les cœurs, pour marquer les pensées, au nom de Jésus. Que la journée d'aujourd'hui soit la journée de référence, car l'Éternel fera pour toi, fera pour moi un signe, fera pour moi un miracle. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire,
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, le Dieu de signes, le Dieu de signes et des miracles, le Dieu de signes et des prodiges, le Dieu de signes, Seigneur de gloire, que ce soit un signe, je veux un signe, Papa, un signe, notre Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, c'est le matin. Si le matin, ne sois pas fatigué, ne sois pas endormant. Réveille-toi. Nous voulons prier avec détermination. Nous voulons dire à notre Dieu, alléluia, puisque c'est un jour de signe, c'est un jour de miracle, c'est un jour de faveur, c'est un jour de grâce, alléluia. Nous allons élever la voix du Seigneur de gloire. C'est un jour de grâce, mon roi. C'est un jour de grâce. Il a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que Job était un signe. Job était un signe au milieu de son peuple. Nous allons prier notre Dieu. Alléluia. Seigneur de gloire, que je sois un signe, Papa. Parce que tu fais un signe, Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, je vais être un signe au boulot. Que mes enfants soient des signes, Papa, à l'école. Qu'ils se distinguent. Un signe, mon bien-aimé. Un signe, maman, papa. Bien-aimé dans le Seigneur, est un repère, est une référence. Lève-toi, Seigneur de gloire. Fais un signe pour moi, papa. Fais un signe, papa, au boulot, ceux qui me critiquent, ceux qui complotent contre moi, papa. Opère un signe en ma faveur. Que Dieu puisse opérer un signe à ta faveur. Que tu sois distingué. Alléluia. Que Dieu opère un signe à ta faveur. Que tu puisses recevoir la promotion. Que Dieu opère un signe à ta faveur. Aujourd'hui à la préfecture, au nom de Jésus. Que Dieu opère un signe à ta faveur. Et qu'on te donne ton document. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous élevons la voix. Nous disons, Seigneur, opère un signe à l'hôpital. Au nom de Jésus, que le médecin reconnaisse la plénitude, la grandeur de ton nom. Opère un signe, papa, un signe de miracle, papa. Opère un signe, notre Dieu, notre roi. Opère un signe, papa. Opère un signe, papa. Un signe de ta gloire, un signe de ta grandeur. Opère un signe, papa, dans ma vie. Lève-toi, dis Seigneur de gloire. Opère un signe. Il y a des domaines auxquels nous avons vraiment besoin de Dieu. Nous avons vraiment besoin de Dieu. Alléluia. Que Dieu puisse opérer un signe. Que Dieu puisse distinguer. Que Dieu puisse faire de toi une référence, un repère. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Opère un signe. Opère un signe, mon roi. Opère un signe de ta gloire. Un signe de ta grandeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire. David a dit, opère un signe en ma faveur, afin que mes ennemis voient. Lève ta voix au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, à un moment donné, le psalmiste dit, nous ne voyons plus nos signes. Nous ne voyons plus nos signes. Voilà. Nous ne voyons plus nos signes. Seigneur, envoie des signes et des miracles. Envoie des signes, papa, parce que nous ne voyons plus de signes. Il y a un bon moment que tu ne vois plus de miracles. Il y a un bon moment que tu ne vois plus les surnaturels se manifester en toi. Il y a un bon moment que tu ne vois plus la différence est créée. Or, la Bible déclare, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a même plus de prophètes qui parlent. Lève-vous la voix ce matin. Disons, Seigneur, nous voulons voir des signes. Nous voulons voir des signes, Seigneur de gloire, parce que ça fait longtemps que nous ne voyons plus de signes.
Lève-toi, dit Seigneur de gloire. Je ne vois plus des signes, ça fait longtemps. Ça fait un bon moment. Je voudrais voir des signes, papa. Je voudrais voir des signes, Seigneur de gloire. Des signes de d'amélioration. Je voudrais voir des signes de la progression. Les signes du progrès, papa. Je voudrais voir des signes, papa. Lève-toi, dit Seigneur de gloire. Ça fait longtemps, papa. Je voudrais voir les signes d'un changement dans la vie de mon enfant, papa. Dans la vie de mon mari. Dans la vie de ma femme. Dans quelques domaines, de n'importe quel domaine, lève-toi, dit Seigneur de gloire. Je voudrais voir un signe, papa. Je voudrais voir un signe d'amélioration dans ma relation avec mes enfants. Je voudrais voir un signe d'amélioration, papa, Seigneur de gloire, dans la relation avec mon mari, avec ma femme, car les relations sont tendues, Seigneur de gloire. Nous ne voyons plus de signes. Nous ne voyons plus le surnaturel, papa. Nous voudrions voir des signes, papa, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi du Seigneur de gloire. Alléluia. Je voudrais voir un signe, papa. Alléluia. Dans ton corps, que tu vois un signe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En Égypte, l'Éternel, la Bible déclare, il envoyait des signes. Il envoyait des signes, des miracles. Alléluia. Pour délivrer son peuple. Alléluia. Le peuple de l'Égypte, les Égyptiens ont vu les signes de Dieu. Ont vu les signes de Dieu. Lève-toi la voix. Lève-toi la voix et prions le Seigneur. Lève-toi la voix, dit-on, dit à Dieu, Seigneur de gloire, que nous voyons des signes. Que nous voyons des signes, papa. Et que David dit bien, opère un signe en ma faveur et que mes ennemis le voient. Nous voulons ce matin dire à Dieu que le signe qu'il va opérer, que nos ennemis le voient. Le signe en Égypte était que Dieu avait envoyé, bien-aimé dans le Seigneur, des sauterelles en Égypte. Dieu avait envoyé les ténèbres en Égypte. Oui, lève-toi ce matin, dit Seigneur de gloire. En Égypte, parmi les signes, tu envoyas, Seigneur de gloire, les ténèbres dans les camps des Égyptiens. Maintenant, papa, les signes que je veux, papa, opère un signe en ma faveur. Envoie les ténèbres à tous les démons, à tous les sorciers, papa, qui sont au travail, qui me rendent mal à l'aise au travail. Envoie un signe que les ténèbres les enveloppent au nom puissant de Jésus. Envoie les signes que les ténèbres enveloppe, papa, Seigneur de gloire, tous ceux qui sont, papa, mes ennemis, papa, qui complotent contre moi. La journée d'aujourd'hui, c'est un jour de signes, papa, une journée de signes, papa. C'est pourquoi je demande à toi, papa, comme David a dit, opère un signe en ma faveur et que mes ennemis voient, Seigneur de gloire, envoie les ténèbres dans les camps de sorciers, de jaloux, papa, envoie les ténèbres, Seigneur de gloire, enfin qu'ils t'attendent, en plein jour sans de gloire, envoie un signe, papa, que leur sommeil, papa, soit dérangé. Envoie un signe, papa, au nom de Jésus. Lève ta voix, au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à déclarer. Envoie un signe, papa, alléluia, qu'il soit dérangé dans leur sommeil. Ceux-là qui t'ont maltraité, ceux-là qui te maltraitent, ceux-là qui te font du mal, Seigneur de gloire, envoie un signe, que leur sommeil soit dérangé, soit perturbé, comme le sommeil de la femme de Pilate, Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier, le jour de une journée des signes en notre faveur, au nom de Jésus. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire, envoie un signe, que mes ennemis voient ces signes de Dieu, papa, que leur soleil se couche à midi, papa, à midi, ils auront ténèbres, ils vont tâtonner en plein midi, au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, c'est aujourd'hui, la journée des signes, Seigneur de gloire, comme en Égypte, la journée des signes, papa, la journée des signes, des miracles, des prodiges, papa, des signes, papa, en Égypte, Seigneur de gloire, tu envoyas des mouches, papa, Seigneur de gloire, opère un signe à ma faveur contre les
les Jézabel, les assassins, les Akab assassins, les jaloux de ma vigne, envoie des mouches, papa, partout où ils sont, envoie-les des mouches, Seigneur de gloire, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, envoie des sauterelles qui vont dévorer, Seigneur de gloire, les sémences, mon roi, un signe, envoie un signe, lève-toi, dit Seigneur de gloire, je veux un signe, mon roi, en ma faveur, que mes ennemis voient la sécheresse dans leur camp, la sécheresse dans leur camp, que la sécheresse puisse les visiter, papa, que la sécheresse puisse les visiter dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que la sécheresse puisse les visiter, papa, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la sécheresse, mon roi, puisse les visiter au nom de Jésus, Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, il est important que nous puissions prier avec efficacité. La Bible déclare, à chaque jour nous suffit sa peine. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Ce matin, il vient de renouveler sa bonté pour toi et pour moi, pour nos enfants. Nous sommes en pleine pandémie. Nous sommes dans une période compliquée. Mais nous croyons que 2021... c'est cette année de confrontation et de déchirement. Oui, c'est l'année où Dieu va déchirer. Alléluia. Nous allons déchirer le lion, car de celui qui mange sortira ce qui se mange. Alléluia. De celui qui veut nous manger, nous allons les déchirer et nous trouverons la nourriture. Alléluia. Oui, c'est l'année des confrontations. C'est l'année, bien-aimé le Seigneur, c'est l'année de Mont Carmel entre Baal et Dieu. Entre Baal et Dieu, nous verrons qui est le Dieu, le véritable, celui qui va répandre au feu. Alléluia. Sur quel autel, alléluia, le feu descendra pour confirmer la gloire de Dieu. C'est pourquoi ce matin nous disons, c'est la journée des signes. C'est la journée des signes. La Bible déclare, Esaïe a dit, me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donné. Nous sommes des signes et de présages en Israël. Nous sommes des prophètes. Mophète signifie un signe de Dieu. Alléluia. Le présage de Dieu. La beauté de Dieu. Nous allons élever la voix. Nous allons répéter comme Esaïe a dit. Mais voici, moi et les enfants que l'Éternel nous a donné. M'a donné, nous sommes des signes. Tu vas prier. Tu dis Seigneur de gloire. Dans ma famille, même si nous sommes nés de la même famille, nous avons le même sang avec mes frères. Mais moi et mes enfants, nous sommes des signes. Nous sommes des signes de Dieu. Nous sommes des signes précurseurs. Les signes annonciateurs de la grandeur de Dieu. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, nous sommes des signes. Ici en France, nous sommes des signes. Moi et ma femme, moi et mes enfants. Élève ta voix, commence à prier. Moi et mon mari, si tu es marié, élève-vous la voix, prions le Seigneur. Demande à Dieu et dis à Dieu Seigneur de gloire, nous voulons être des signes de présage aux États-Unis, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur de gloire, nous voulons être des signes et de présages, papa, ici aux États-Unis d'Amérique. Lève ta voix, Dieu fera de toi un signe. Dieu fera de toi mon fait. Dieu fera de toi mon fait, le présage de Dieu, la référence, le repère. Alléluia. Lève-toi, dis Seigneur de gloire. Je suis un signe et signe ici au Canada. Je suis un signe ici en Haïti. Je suis un signe ici en Guadeloupe, en Martinique. Je suis un signe ici en Guyane. Lève ta voix, que chacun se lève et dit, je suis un signe ici au Congo. Un signe ici en Angola. Un signe ici au Cameroun, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Que tu sois un signe. La Bible déclare, ouvre ta bouche et je la remplirai. Demandez, vous recevrez. Prions comme Élie, comme Esaïe. Mais voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donné. Nous sommes des signes et de présages en Israël. Mais nous disons, Seigneur de gloire, alléluia. Il faut citer le nom du pays là où le Seigneur t'a envoyé. Lève-toi, dis Seigneur de gloire.
je suis un signe, un présage, moi et ma femme et mes enfants ici en France, papa. Nous voulons être des signes, alléluia, des signes et des présages. Lève ta voix, au nom puissant de Jésus, ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Au nom de Jésus, ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Car l'Éternel a dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Dis, je suis un signe. Alléluia. Je suis un signe. Je suis un signe. Mes enfants, papa, sont des signes, Seigneur de gloire. Sont des signes, mon roi, dans ce pays, là où tu nous as envoyés. Nous sommes des signes. Nous sommes des repères, des références. Nous sommes des repères dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Ainsi nous avons prié. Amen. À chaque jour nous suffit sa peine. Vous savez, un signe, c'est quelque chose qui permet d'orienter. Un signe, en quelque sorte, c'est quelque chose qui rend évident, qui nous distingue. C'est quelque chose qui nous rend différents. Un signe est un indice. Un signe est une manifestation. Un signe est une manifestation. Un signe est une marque. Est un symbole. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. Que cette journée soit la journée de la manifestation. Que la grâce se manifeste. Soit la journée de la manifestation au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Notre Seigneur, c'est toi. Notre Dieu, c'est toi. Sois la journée de la manifestation de Dieu. Alléluia. 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 Sois la journée de la manifestation. Seigneur de gloire, que mes enfants, Seigneur de gloire, soient des signes, papa, au nom puissant de Jésus. Soient des indices. Soient des symboles, papa. Sois une marque déposée au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur de gloire, nous voulons, Seigneur de gloire, ce matin, élever la voix et dire, Seigneur de gloire, j'ai dit, voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donné. Et moi, j'ai dit, moi et les enfants et la femme que l'Éternel m'a donné. Nous sommes des présages, nous sommes des symboles, nous sommes des marques, nous sommes des indices, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comme le panneau publicitaire, comme le panneau, Seigneur de gloire, de la route, papa, qui indique une direction quelconque. Seigneur de gloire, nous voulons indiquer la direction du paradis. Nous voulons être de pancarte publicitaire pour que les hommes te voient. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. Je vais être un signe. Je vais être un signe, un présage dans ce pays où tu m'as envoyé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, comme j'aime dire que ces versets ne manquent pas le matin. Quand je fais la prière, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous allons prier, puisque nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter, mais la Bible déclare, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Recommande ton sort à l'Éternel. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et l'Éternel agira. Nous recommandons notre journée entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Et nous avons la foi que l'Éternel agira. Oui, bien-aimé. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et l'Éternel agira. Nous ne savons pas ce que Dieu, ce qu'un jour peut enfanter. Mais par la foi, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, agis. Agis aujourd'hui, papa, puisque c'est un jour des signes, papa, des signes et des prodiges. Un jour, papa, des distinctions. Alors nous voulons, papa, engendre, papa, que la journée d'aujourd'hui puisse accoucher des signes, de miracles, de prodiges au travail, des signes, de miracles dans les trains, dans les bus. Élevons la voix, prions le Seigneur. Demandons à Dieu que la journée d'aujourd'hui, puisque c'est un jour des signes, mon Dieu, mon roi, papa, qu'elle puisse engendrer
engendrer. Que cette journée puisse accoucher, engendrer la grandeur, engendrer la délivrance, engendrer le miracle, que l'impossible aujourd'hui devient possible, Papa. Là où nous avons été ignorés, que nous soyons récupérés, que nous soyons repérés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ça fait des années que tu travailles dans cette entreprise. On ne valorise pas ton potentiel. À partir d'aujourd'hui, tu seras repéré au nom puissant de Jésus. Nous voulons que Dieu, alléluia, puisse agir, puisque nous recommandons notre journée entre ses mains. Il a dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-les dans toutes tes voies et l'Éternel aplanira tes sentiers. Disons à Dieu, aplanis, Seigneur de gloire, le chemin de la journée d'aujourd'hui, Papa. Nous voulons que cette journée puisse accoucher la royauté, puisse accoucher la grandeur, puisse accoucher des solutions et non pas des problèmes. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que cette journée, Papa, puisse engendrer, Papa, des solutions et non pas des problèmes, des solutions et non pas des problèmes, des guérisons et non pas des maladies, de délivrance et non pas des liens. Lève ta voix d'ici ce matin au nom de Jésus. Cette journée, Papa, puisqu'elle est recommandée à toi, elle est confiée à toi. Je suis convaincu, Père, tu agiras, Papa, tu agiras aujourd'hui, Papa, et elle accouchera, Seigneur de gloire. Elle sera un jour, une journée des signes, Papa, car elle donnera des guérisons et non pas des maladies, des solutions et non pas des problèmes. Alléluia. De délivrance, non pas des liens, au nom puissant de Jésus. Lève-toi, dit Seigneur de gloire. Je veux que la journée d'aujourd'hui puisse accoucher la royauté, puisse accoucher la royauté et encore la royauté, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus, Jésus, le roi des rois, le prince de la paix, le véritable roi, le puissant guerrier, celui qui est assis sur le trône, Adonai, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons les défis de la vie. Il y a toujours des problèmes dans ce monde. Un monde de haineux, un monde de jaloux. Les gens que tu ne connais pas, qui te haïssent déjà. Les gens que tu ne connais pas, qui font déjà des pratiques démoniaques, astrologiques contre toi. Les gens que tu n'as jamais imaginés. Bien-aimés, qui sont devenus en coulisses, tout simplement tes ennemis. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons prier ce matin, Seigneur de gloire. Un exploit, cela veut dire que c'est l'impossible. Exceller dans un domaine où tout le monde t'a donné pour perdant. Tout le monde a dit que c'est fini. Une guérison spectaculaire. Une ascension spectaculaire. Quelque chose d'inhabituel. Dis avec moi, inhabituel. Inhabituel. Spectaculaire. C'est ça l'exploit. Donc, avec Dieu, nous ferons des choses inhabituelles. Avec Dieu, nous ferons des choses spectaculaires. Là où les gens ont dit que c'est fini, il se peut que les collègues du travail, avec leur méchanceté, ils étaient déjà sûrs que toi, tu seras renvoyé de ton travail. Ils étaient déjà sûrs que c'est fini pour toi. Alors, ils voient qu'au lieu que tu sois renvoyé, tu es devenu leur chef. C'est ça l'exploit. C'est quelque chose d'inhabituel. Oui, je prie ce soir. Ce matin, au nom puissant de Jésus, je demande à Dieu, alléluia, je demande à Dieu, lève-toi du Saint de gloire. Il est écrit dans le psaume 60, verset 12, avec toi, je ferai des exploits, Seigneur de gloire, puisque c'est un jour de signe. C'est un jour de signe, Papa, Seigneur de gloire. Je crie l'exploit. Je veux que la journée d'aujourd'hui, Papa, que tu fasses quelque chose d'inhabituel. Je veux que la journée d'aujourd'hui, Seigneur de gloire, que tu fasses avec moi, Papa, quelque chose de spectaculaire. Alors, élevons la voix, prions le Seigneur. Peut-être c'est ton jour. C'est le jour, alléluia, où Dieu va répondre à nos prières. Et nous allons couper la tête de Goliath. Nous allons mettre fin à l'humiliation.
combien d'années d'humiliation, combien d'années de blocage, de retour, toujours à la case de départ. Seigneur notre Dieu, j'en ai marre, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus, le prince de la paix, le véritable Dieu, le puissant guerrier, je lève ma voix et je déclare au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Nazaréen, celui qui est assis sur le trône, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Seigneur de gloire, que ce matin, je déclare, Papa, au nom de Jésus, que ce soit aujourd'hui que je vais couper la tête de Goliath. C'est un signe de mon élévation. Alléluia. La mort de Goliath, la victoire sur Goliath, était le signe que Dieu était avec David, était le signe palpable que l'onction royale avait commencé à agir. Lève ta voix, dis Seigneur, avec toi, je ferai des exploits. Je vais aujourd'hui couper la tête de ce Goliath qui me persécute, mon roi. Ce Goliath, il se peut que c'est une maladie. Et ce Goliath, il se peut que c'est une situation de manque de papier. Ce Goliath, je ne sais pas c'est qui, mais ce Goliath est un handicap. Ce Goliath, il est trop fort. Il est physiquement plus fort que toi. Il est matériellement plus fort que toi. Il est intellectuellement plus fort que toi. Mais toi, ce matin, le Seigneur le dit, avec lui, nous ferons des exploits. La victoire de David sur Goliath était une victoire inhabituelle. Lève-toi, Seigneur de gloire. Ce matin, j'ai dit Papa au nom de Jésus, toute la journée d'aujourd'hui, je vais des choses inhabituelles, des victoires inhabituelles, des victoires sur les Goliath, Papa, des victoires sur les Amman, Papa, ceux qui croyaient qu'ils étaient plus forts que moi. Ce matin, on fait des miracles, Papa, les exploits, Papa, que ce soit des signes qui vont marquer la pensée, la mentalité des gens, Papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à prier avec Dieu. Je ferai des exploits, c'est aujourd'hui. Rappelle-toi, David avait dit aujourd'hui. David avait dit aujourd'hui, Goliath, pas demain. Nous disons aussi aujourd'hui, Papa, opère un signe pour moi. Opère un signe en ma faveur. Aujourd'hui, enfin que mes ennemis voient. Que les ennemis, oui, peut-être l'ennemi, c'est ton propre frère. Peut-être l'ennemi, c'est Eliab, ton frère. Les ennemis de David, ceux qui l'ont combattu sur les champs de bataille, ceux qui voulaient l'empêcher d'aller affronter Goliath, ceux qui l'ont minimisé, insulté devant tout le monde, c'était Eliab. C'était le frère biologique de David. Mais ce même frère, Eliab, qui a insulté, minimisé David, qui a humilié David, il a vu le signe de la victoire de David. Il a vu Goliath tomber et il a entendu. David a tué 10 000, Saul 1 000. David dit, opère un signe en ma faveur et que mes ennemis te voient. Nous allons dire à Dieu ce matin, Seigneur de gloire, opère un signe. Avec toi, je ferai des exploits. Alors comme David, je dis aujourd'hui, Seigneur de gloire, les signes que tu fais, Papa, et que cette situation est tombée devant moi. Comme David avait triomphé Goliath, comme Goliath était tombé devant David, comme David avait décapité la tête de Goliath, David avait dit aujourd'hui, pas demain, Seigneur, aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur de gloire, cette puissance malédiction, de malédiction est décapitée. Au nom de Jésus, c'est l'exploit. Les sorciers ne comprendront pas comment ça s'est passé, comment ça s'est fait. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, lève ta voix, commence à déclarer. Aujourd'hui, Seigneur de gloire, je ferai des exploits, des choses inhabituelles. Seigneur de gloire,
Aujourd'hui, je les crois, papa. Les Goliaths vont tomber. Seigneur de gloire, des situations vont se décanter. Toi qui vas à la préfecture, déclare, Seigneur de gloire, avec toi, inhabituel. Avec toi, je ferai des choses inhabituelles. Je ferai des choses extraordinaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, avec Dieu, tu feras des exploits. Que Dieu fasse de toi un signe, un présage. Qu'il fasse pour toi des signes et des présages. Alléluia. Que Dieu te donne une parole, alléluia, et une langue aiguisée quand tu seras devant le tribunal, alléluia, pour être jugé. Que le Dieu des gloires fasse un signe, qu'il te donne une langue aiguisée. À la préfecture, que le Seigneur te donne une langue aiguisée. Une langue aiguisée, que tu parles comme jamais. Au nom puissant de Jésus, que même ceux-là qui vont t'écouter, qu'ils se disent qui est cet homme. Lève ta voix, l'Éternel Dieu déclare, alléluia, invoque-moi, je te répondrai. Il a dit, avec Dieu, nous ferons des choses inhabituelles. Si tu crois, tu déclares, Seigneur, je crois, je ferai des choses inhabituelles, je ferai des choses extraordinaires, je ferai des choses extraordinaires. La puissance de ton nom, la grandeur de ta gloire va se manifester aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. C'est aujourd'hui le jour de signe. Opère un signe à ma faveur, afin que mes ennemis voient et qu'ils soient à la débandade, qu'ils soient dans la confusion. Lorsque Jésus est présenté dans le temple par Joseph et Marie, la Bible dit Siméon prit l'enfant dans ses bras. Écoutez Siméon, il dit cet enfant est un signe qui va provoquer la contradiction en Israël. Il va provoquer l'élévation de beaucoup de gens, mais aussi le rabaissement de beaucoup de gens. Beaucoup seront élevés, beaucoup seront abaissés à cause de lui. Il sera un signe qui va provoquer la contradiction. Tu vas élever ta voix et dire ce matin, c'est la journée des signes, papa. Le Seigneur Jésus était un signe. Un signe qui allait provoquer la contradiction. Fais de moi un signe. Je vais être un signe, papa. Un signe qui va provoquer, Seigneur de gloire, la contradiction pour que ton royaume avance. Un signe qui va provoquer la contradiction parce que dans cette famille, on a dit personne ne pourra se marier. Toi, tu seras le signe de mariage parce que toi, tu vas te marier. Tes enfants vont se marier. Ce sera le signe, un signe de contradiction qui va contredire les œuvres sataniques, les œuvres du diable. Un signe de contradiction, oui. Lève-toi, dit Seigneur de gloire. De même que Siméon a dit sur Jésus, cet enfant est un signe de contradiction. Je vais être un signe de contradiction. Que les médecins se contredisent à cause de la santé de tes enfants, de ton enfant. Que les médecins se contredisent à cause de la grossesse de ta femme. Parce qu'elles ont dit que ce n'est pas possible. Elle ne pourra jamais concevoir, car elle n'a pas de trompe. Que tu sois un signe aujourd'hui, un signe d'une promotion exagérée. Parce qu'ils vont se poser la question, comment as-tu fait pour que tu prennes cette place? Nous voulons demander à Dieu, Seigneur, fais de moi un signe. Opère pour moi quelque chose d'inhabituel. Daniel était un signe en Babylone. Un signe. Il s'était consacré à Dieu. Il priait instamment 3 fois par jour. Les signes de Daniel étaient quoi? Il a survécu au fausse lion. Il était devenu un signe au point qu'un décret spécial a été signé. On aura de la crainte pour le Dieu de Daniel à Babylone. Nous allons prier, Seigneur de gloire. Comme Daniel, je vais survivre aux fausses lions. Seigneur, comme Daniel, je vais survivre, Seigneur de gloire, aux attaques de la sorcellerie de ma famille. Comme Daniel, je vais survivre, papa,
un signe de ta gloire, de ta protection. Lève ta voix, prie, Seigneur de gloire. Je vais survivre comme Daniel aux fosses de lion. Je vais survivre, Seigneur de gloire. Que je survive, ô Adonai. Je vais survivre, Seigneur de gloire, dans la grandeur, dans la puissance, dans la force. Je vais survivre, ô Dieu. Je vais survivre. Je vais survivre, Seigneur de gloire, afin que le monde reconnaisse que tu es Dieu. Lève-toi, tu es en train de traverser un moment difficile ce matin, dit Seigneur de gloire. C'est la journée des signes, papa. Daniel a survécu au fosse au lion. Seigneur de gloire, je vais survivre de leur piège. Je vais survivre, papa, de leur complot. Tu vas survivre et tu seras un signe. Ce sera un signe de la part de l'Éternel que tu lui appartiens. Un signe de la part de Dieu que tu lui appartiens. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus, le roi des rois, le prince de la paix, au nom de Jésus, commence à déclarer, je vais survivre des attaques de mes ennemis, au nom de Jésus, je vais survivre de la jalousie de mes ennemis, papa, je vais survivre de la trahison des Jida, papa, qui veulent me trahir pour me détruire, je vais survivre pour que je sois un signe à leurs yeux, papa, un signe de leur échec, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, Daniel était un signe de l'échec de ses ennemis. Lève ta voix, commence à déclarer au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus, 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 Seigneur de gloire, que je sois un signe au milieu de ceux-là qui ont cherché à me détruire. Tu seras un signe au milieu de ceux-là qui ont cherché à te détruire. Comme Daniel, tu seras un signe, alléluia. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, alléluia. Tu seras un signe, car tu vas survivre, alléluia, de ces flammes de feu allumées par le sorcier, de ces flammes de feu allumées par le sorcier, de ces flammes de feu. Lève-toi, dit Seigneur de gloire, je vais être un signe. Le roi a dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes, mais comment se fait que je vois une 4e personne au milieu de feu? Au milieu de feu, et les 3 personnes ne sont pas en train de brûler. Alléluia. Et la 4e personne ressemble à un fils de Dieu. Lève ta voix, que tu sois un signe au nom puissant de Jésus. Que ceux-là qui ont préparé à détruire ton mariage la nuit, et quand ils viennent, qu'ils voient la 4e personne. Oh, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth qui est là avec toi. Qu'ils voient le fils de Dieu. Qu'ils voient un signe. Qu'ils voient l'ombrage qui t'accompagne. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Tu seras un signe car tu vas survivre de toutes les attaques démoniaques au nom puissant et glorieux de Jésus, car le Seigneur est là. Le Seigneur ne t'abandonnera pas, le Seigneur ne te délaissera pas, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Gloire à toi, lève ta voix, commence à prier les débuts et la fin de cette journée, papa. Je survivrai, papa, de leur complot, papa. Je survivrai de leur piège, mon roi, afin que je devienne réellement un signe à leurs yeux, papa. Un signe de ta puissance, un signe de ta divinité, qu'à travers de moi, qu'ils voient la divinité de Dieu, à travers de mes enfants, qu'ils voient la divinité, la puissance et l'amour de Dieu. Dieu est invisible, il faut qu'on le voie à travers de nous. Alléluia. Lève ta voix, commence à déclarer au nom puissant de Jésus, du début à la fin de cette journée, papa. C'est la journée des signes, papa. Opère un signe à ma faveur. Fais des moi un signe, papa, au nom puissant de Jésus. Survivre, papa, dans cette pandémie. Survivre dans ce combat atroce, papa, suscité par les ennemis, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous devons être exigeants avec notre Père. Celui qui a dit qui est le Père, qui donnera à son fils la pierre, si celui-ci lui demandait du pain. Qui est le père qui donnerait à son fils le serpent, si celui-ci lui demandait un poisson, ou donnait les scorpions à la place d'un œuf?
si mauvais que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison notre Père Céleste ne nous donnera pas ces choses avec lui. Lui qui est parfait et bon. Alors ce matin, nous venons tout simplement lui demander, Papa, fais de moi un signe. Ou, Seigneur, opère un signe en ma faveur et que le Goliath tombe et que le pharaon de ma vie le voie. Que les amans de ma vie tombent dans leurs propres pièges. Ce matin, Seigneur de gloire, David avait demandé une chose. Non pas à nous, mais à ton nom, Seigneur, donne gloire. Non pas à nous. Ce n'est pas à nous que nous les demandons, mais nous demandons cela à cause de sa gloire. Afin que les hommes voient qu'il est avec nous, qu'il marche avec nous. David avait fait une prière. Je saurai que tu m'aimes, Seigneur, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Ce matin, nous voulons rappeler à notre Dieu, Seigneur, je veux une assurance. Seigneur, si tu m'aimes vraiment, ne permets pas que ce voisin sorcier triomphe de moi. Il a manipulé mes enfants. Il a manipulé ton mari. Il faut demander à Dieu, Seigneur, ne permets pas que cette femme triomphe de moi. Si tu m'aimes, Seigneur, c'est un signe que je demande à toi, Papa. Si tu m'aimes bien, ne permets pas que cette sorcière puisse gagner cette bataille. Je ne sais pas à quel niveau se situe ton combat. Je ne sais pas avec qui tu te bats. Mais David n'a pas hésité de faire cette prière. Je saurai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Alors ce matin, nous voulons vraiment dire à Dieu, rappeler à notre Père, Seigneur de gloire, si vraiment tu m'aimes, ne permets pas que je puisse échouer devant le méchant. Si vraiment, Seigneur, tu m'aimes, ne permets pas que je puisse tomber. Seigneur, tu as dit, les ailes de ta maison me dévorent. Tu avais pris une chicotte et tu as fouetté le vendeur de pigeons et le changeur de monnaie. À cause du temple, du zèle que tu avais pour le temple, tu as chicoté et renversé les tables de changeur de monnaie et le vendeur de pigeons et de moutons. Tu as manifesté le zèle de la maison que tu avais. Ce matin, cette journée d'aujourd'hui, Papa, je prie au nom puissant de Jésus que le zèle que tu as pour moi se manifeste. Ne permets pas que mes ennemis triomphent. Ne permets pas que les amis ennemis triomphent. Ne permets pas que Satan triomphe de moi. À ton nom donne gloire. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur, ne permets pas. Si tu connais le nom de la personne, cite le nom. Cite le nom. Si tu connais le nom de la personne, cite le nom du Seigneur. Ne permets pas. Ne permets pas, Seigneur notre Dieu, que l'ennemi triomphe de moi. Ne permets pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, ne permets pas, Seigneur de gloire, que l'ennemi triomphe de moi. Ne permets pas. Ne permets pas, ô Dieu, ne permets pas que l'ennemi triomphe de moi. Fais un signe, Papa, au Père. Opère un signe, Papa, pour moi. Que l'ennemi ne triomphe pas de moi. Que l'ennemi ne triomphe pas de moi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix. Opère un signe, Papa. Opère un signe, notre Dieu, notre roi. Opère un signe en ma faveur, afin que les ennemis ne triomphent pas. Ne permets pas.
que l'ennemi triomphe. Tu as dit, Seigneur de gloire, en face de mes adversaires, tu dresses une table. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu dresses une table, Seigneur. En face de mes ennemis, tu dresses une table dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu dresses une table. Oui, lève-toi, dis à Dieu, Seigneur. Tu dresses une table, Seigneur de gloire. Mes ennemis ne triompheront pas. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Opère un signe, papa, que l'ennemi ne triomphe pas. Opère un signe, papa, que l'ennemi ne triomphe pas, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'ennemi ne triomphe pas. Que l'ennemi ne triomphe pas contre toi. Je viens déclarer, c'est un jour de signe. C'est un jour de signe. Lève-toi, discours de gloire. Du matin jusqu'au soir, opère un signe en ma faveur. Au nom de Jésus. Amen. Nous cheminons vers la fin. Tu vas encore prier ton Dieu. Déclare ce soir, ce matin, dis Seigneur de gloire. Tu as dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. C'est un jour de signes et de gloire. Seigneur, ordonne à tes anges de m'accompagner dans le métro, dans le train, dans le bus, au travail, dans la voiture, dans l'avion. Lève ta voix et déclare ce soir, déclare ce matin, dis à Dieu, Seigneur de gloire. Paul a dit, l'ange auquel j'appartiens m'est apparu et il m'a rassuré, Paul, tu ne mourras pas dans cette tempête. Nous allons élever la voix et prier, Seigneur de gloire, ordonne à tes anges de nous accompagner, papa. Ordonne que l'ange de l'Éternel m'accompagne pour m'arracher du danger. Dans le train, dans le bus, dans le métro, Seigneur de gloire, dans les magasins où je serai, que l'ange de l'Éternel m'épargne de tout dégât. Que l'ange accompagne mes enfants dans le bus, dans le train. Que l'ange de l'Éternel accompagne mes enfants au nom puissant de Jésus à l'école. Que l'ange de l'Éternel, Seigneur de gloire, accompagne pour nous arracher de tout danger. Que l'ange de l'Éternel accompagne tout le déplacement du demain au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel accompagne ta voix au nom puissant et glorieux de Jésus. De même que les anges ont protégé Lot à Sodome et Gomorre, que les anges t'accompagnent et te protègent. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi pour clôturer. Mets ta main droite sur la poitrine. Il est écrit, Dieu dit à Zorobabel, puisque tu es mon serviteur, je te garderai comme un sceau. Lève ta voix et dis ce matin, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, je suis ton serviteur. Garde-moi comme un sceau. Garde-moi jalousement. Tu connais comment on garde une signature. Et Dieu promet que ceux qui sont ses serviteurs, il les gardera comme sa propre signature. Alors prions le Seigneur pour clôturer. Seigneur, garde-moi comme un sceau. Garde-moi comme un sceau. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Garde-moi comme un sceau, Dieu. Durant toute la journée d'aujourd'hui, veille sur moi au nom puissant de Jésus. Garde mes enfants comme un sceau, car ils sont tes serviteurs et sont tes servantes. Garde-les comme un sceau dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Mets ta main droite sur la poitrine, je vais clôturer la prière.
La Bible déclare, l'Éternel honore la parole de ses serviteurs. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, nous avons demandé, Seigneur, que la journée d'aujourd'hui soit la journée que tu opères en signe en notre faveur. C'est la journée des signes, Papa, pour chacun de nous. C'est la journée des signes pour toi et pour moi. Je dis au nom puissant de Jésus, que l'Éternel t'accompagne la journée d'aujourd'hui. Du début à la fin, qu'il te garde, qu'il veille sur toi et qu'il t'accorde la paix. Qu'il t'accorde la paix et le bonheur. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Oh my God, quelle prière, quelle prière, quel moment formidable. Notre Dieu écoute nos prières. Nos ennemis sont chaos, désordonnés, déconcentrés parce que nous avons allumé le feu. Notre Dieu est avec nous. Alors, bonne journée. En tout cas, que cette journée soit couronnée de gloire, de grâce, de miracles, bien-aimés dans le Seigneur. C'est notre première journée de jeûne et prière. Durant la journée, vous pouvez aussi boire de l'eau quand vous êtes au travail. Et rendez-vous à 18h. Nous sommes sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou. Nous allons voir si nous serons aussi sur Facebook dans la semaine. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Notre programme continue, 7 jours de jeûne et prière. Viens jeûner avec nous afin de briser les démons de la pauvreté, les démons de manque d'argent, afin de briser, de casser les démons bien-aimés du Seigneur qui nous empêchent de prospérer. La Bible déclare, alléluia, le Seigneur veut que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. Isaac avait semé, ou bien aimé, pendant la période de la famine, parce que Dieu lui avait dit de semer. Il le sema et il le moissonna au centuple, et il est devenu riche, et il est allé de richesse en richesse. J'ai la ferme assurance, pendant ces 7 jours, Dieu va pulvériser les démons qui bloquaient tes finances. Les finances ne manqueront plus jamais dans ta maison, dans ta poche. Comme bien-aimé dans le Seigneur, Élie, le prophète de feu, avait dit à la femme Shunammite, en lui disant que, alléluia, oui, alléluia, l'huile ne manquera plus jamais et la farine ne manquera pas jusqu'à ce que la pluie tombera. Je déclare, pendant ces 7 jours, nous allons clôturer, viens soutenir le ministère. Nous avons PayPal, nous avons RIB, nous avons l'adresse pour ceux qui peuvent envoyer un chèque. Vous pouvez aussi faire Western Union. En tout cas, nous vous attendons. Nous allons clôturer ce dimanche 28 juillet. Nous avons eu pendant 3 dimanches déjà, nous avons parlé de la dîme et l'offrande de la libéralité dans une dimension supérieure. Que mon Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Bonne journée. La Bible déclare, alléluia, Zorobabel, puisque tu es mon serviteur, je te garderai comme un sceau. Que Dieu nous garde comme un sceau durant toute cette journée et que cette journée soit une journée de la bonne nouvelle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Soyez bénis.